Bonjour Maïté Labirabin sur Radio VL. Ça veut rien dire. VL, je veux dire. Va libre, va libre. Voie lactée. Ouh, ça sent le Stéphane de Groot, ça. Alors Solidest s'est très bien passé, il y a eu un record de fréquentation une fois de plus. La pluie n'arrête décidément rien ni personne, ni les vendeurs de bière, ni ceux qui veulent écouter de la musique. Par contre, elle remplit un peu le forum des associations et ça c'est vraiment bien. Et puis il y a eu beaucoup de visites importantes. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que le sida n'est pas de droite ou de gauche. Que là il se trouve qu'on a un gouvernement de gauche et que pour la première fois un président de la République s'est déplacé sur Solidest, ce qui est formidable. La garde des Sceaux a participé également au patchwork des noms parce qu'elle a donné les noms de ceux qui sont morts cette année. Mais Xavier Bertrand est dans les coulisses et c'est bien que les politiques viennent. C'est très bien, ça peut complètement échapper à vous les jeunes qui n'y croyez plus à la politique. Mais c'est ça qui fait marcher le monde pour beaucoup quand même. Très bien, c'est surtout Luc qui lui a présenté le festival qu'il connaissait d'ailleurs déjà parce qu'il était déjà venu une fois. On a fait le tour, on est allé, il y a eu un petit moment de flottement comme ça quand on est allé, je sais pas si vous les avez vus, les dessins de Zep. Voilà, c'était un peu, on va dire, délicat, hein, mais c'était rigolo. Il a fait la dédicace sur le mur des dédicaces, il est allé au forum des associations, il s'est baladé sur le terrain. Voilà, non, ça s'est bien passé et le but c'est vraiment de présenter à ceux qui viennent visiter l'ensemble de ce qui se passe, quoi. La musique évidemment, mais le forum des assos, Sex and the City, l'exposition, enfin voilà, de faire le tour quoi et d'expliquer aux gens ce qui se passe. Alors il y a déjà un truc que j'ai raté, j'en suis verte, c'est FFF, le retour là, donc je n'y étais pas. Parce que le président et la garde des Sceaux étaient là au même moment et que donc il faut savoir faire des choix dans la vie. Donc Marcos, tu m'entends? Oh, je suis désolée. Et je vais aller voir... j'ai raté Gesaffelstein, je pense. C'était hier, hein. Et ça me fait mal, ça. Ça me fait mal. Et sinon, maintenant, à partir de maintenant, je ne rate plus rien. Je vais au concert, maintenant. On fait des visites officielles avec tous ceux qui se présentent et qu'il faut accompagner sur le terrain pour expliquer quel est le travail de Solidest. Je réponds à des interviews, je traîne un peu dans les backstage quand j'ai 5 minutes et voilà. Je réponds quand ils m'appellent. Bah, mon travail, c'est le supplément, c'est une chose. Et mes engagements, c'est ma vie, c'est autre chose. C'est pas la même chose. Donc, dès que je peux, je suis là. Quand ils ont besoin, je peux pas toujours répondre présente, mais quand je peux le faire, je le fais.